libre de droit sur Internet, la retravailler avec Magnet et l'adapter ainsi pour l'utiliser dans Scratch. Donc pour cela, je vais chercher par exemple Mario. Libre de droit, donc une image, outils, droit d'usage, et je vais demander une réutilisation autorisée sans but commercial. Et apparemment, celui-ci serait réutilisable. Je vais donc enregistrer une image. Je vais l'enregistrer dans mon espace téléchargement. Et je l'enregistre. Je vais dans PenNet, fichier, ouvrir. Et je vais ouvrir mon image. Elle est sur fond blanc. Si je vais dans Scratch et que je l'importe tel quel, dans le téléchargement, je me retrouve avec une image avec un fond blanc. Bon, là forcément on ne voit pas, mais si je change de scène, si je mets une scène, voilà, je m'aperçois que bon, déjà mon image est beaucoup trop grande et en plus j'ai à chaque fois ce carré blanc qui vient gêner. Donc je reviens dans PenNet et je vais commencer par supprimer le blanc. Donc je prends la baguette magique, je sélectionne et je m'aperçois que j'ai une tolérance ici à 50%. Plus ma tolérance est grande et plus je vais sélectionner l'intégralité de l'image, plus ma tolérance est petite et plus je vais pouvoir détourer que le fond blanc. Ici j'appuie sur la touche supprimer et pas effacer et je me retrouve avec mon image transparente. Je vais pouvoir sélectionner ici que l'image qui m'intéresse et je vais pouvoir rogner le contour. Donc du coup, image rognée. Image redimensionnée et je vais lui mettre une hauteur par exemple de 100 pixels. Le chat sur Scratch ici fait une hauteur de 100 pixels. Donc je reviens dans ici, je lui mets 100 pixels de haut, je valide et j'ai mon petit Mario qui fait 100 pixels de haut. Je enregistre ma nouvelle image, enregistrer son et surtout je n'enregistre pas en PenNet puisqu'il n'y aura que PenNet qui pourra réouvrir mon image. J'enregistre surtout pas un JPEG puisque le JPEG ne gère pas la transparence et j'enregistre en PNG, format d'image qui sauvegarde la transparence. Mario et j'enregistre, détecté automatiquement, très bien. Du coup, je peux passer dans Scratch, lui je vais le supprimer et je vais venir importer maintenant mon Mario. Je l'ouvre et ça marche pas. Je vais bien savoir pourquoi. Mario et ça marche pas. Et j'ai bien mon Mario qui fait la même taille que le chat de Scratch et surtout j'ai une transparence parfaite. Petite astuce, s'il est un petit peu trop petit ou s'il est encore un petit peu trop grand, dans Apparence, on a la possibilité ici d'agrandir ou de réduire. Si par exemple je le veux légèrement plus petit, je vais le mettre à 90% et du coup il sera légèrement plus petit. Si je le veux légèrement plus grand, mais du coup je vais perdre en qualité d'image, je peux le mettre à 120% et du coup voilà.